Bonsoir à tous et bienvenue dans Europe Nuit. Le fait marquant du jour, c'est la liste des 23 dévoilée ce soir par Didier Deschamps. Le sélectionneur a révélé les noms des joueurs qui iront au Mondial en Russie et il y a des surprises. 5 jours après l'attaque djihadiste dans le quartier de l'Opéra à Paris, l'enquête s'accélère. Le procureur François Molins annonce 2 nouvelles interpellations en région parisienne aujourd'hui. 2 femmes proches du terroriste. Dans l'actualité de ce jeudi 17 mai également, une 2e phase d'expulsion sur la ZAD ce matin à Notre-Dame-des-Landes. L'Europe contre-attaque après le retrait des États-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien. Et puis à Cannes, une montée des marches inédite ce soir. Des migrants étaient sur le tapis rouge. À 22h10, l'invité d'Europe Nuit, Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique. Nous parlerons avec lui de l'opération séduction lancée ce soir par le gouvernement auprès des Français. À suivre également la météo de Valérie Darmon, le retour du soleil demain, la bourse avec Didier Hamo de boursier.com, le CAC 40 qui s'envole et puis comme chaque soir, la belle entreprise, un entrepreneur qui nous présente son projet, André Kérésit, fondateur et président d'Iceram qui fabrique des implants de haute technologie pour les articulations. Europe Nuit. Et ça ne fait désormais plus de mystère. Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 pour le mondial de football en Russie. Parmi les noms dévoilés, certains qu'on n'attendait pas, Simon Rubin. Oui, à commencer par Lucas Hernandez, le franco-espagnol de l'Atlético, champion d'Europe hier soir. Il sera bien dans la liste de Deschamps, lui qui a été appelé pour la première fois en mars dernier, à gauche, toujours en défense, il disputera la place de titulaire avec un revenant, Benjamin Mendy. Alors lui, c'est un joueur que Deschamps adore, mais qui n'a joué qu'une heure en tout et pour tout depuis son retour d'une blessure longue de 7 mois. Toujours en défense, le Marseillais Adil Rami sera bien là, à la place de Laurent Koscielny. Au milieu de terrain, nouveau pari pour Deschamps, Steven Nzonzi, qui est appelé et qui est un joueur assez récent, appelé pour la première fois en novembre. À Séville, cette saison, il a joué de manière exceptionnelle. À 29 ans, sa maturité a sans doute pesé dans le choix du sélectionneur. Enfin, en attaque, Florian Thauvin, le Marseillais, réussit le joli coup. Souvent appelé, mais rarement entré en jeu avec les Bleus. Sa saison à l'OM a été régulière. Un joueur polyvalent qui ne fera pas de vagues s'il reste remplaçant. Et puis le Lyonnais Nabil Fekir sera également du voyage. Pour le reste, c'est du classique. Mbappé, Griezmann, Pogba, Matuidi, Lloris. Une équipe jeune, 25 ans et demi de moyenne d'âge et qui entamera sa préparation à Clairefontaine dès mercredi. Merci Simon Rubin, chef du service des sports d'Europe 1 et la Coupe du Monde en Russie débutera le 14 juin avec le match Russie-Arabie Saoudite. Europe 1, la suite du journal, Sophie Tussaud. 5 jours après l'attaque au couteau dans le centre de la capitale qui a coûté la vie à un jeune homme de 29 ans, le procureur de Paris s'est exprimé en fin de journée. On connaît désormais les circonstances dans lesquelles le terroriste a été abattu par les forces de l'ordre. Ils ont repéré, rue Saint-Augustin, l'individu qui, les voyant, s'est approché d'eux en tenant son arme et en leur disant « Je vais vous buter, je vais vous planter ». L'un des fonctionnaires, armé de son taser, a alors tiré à 2 reprises dans sa direction, sans parvenir toutefois à interrompre sa progression. L'un de ses collègues, après avoir en vain demandé au terroriste de déposer son couteau, a alors tiré avec son arme de service à 2 reprises sur l'agresseur, qui se dirigeait vers lui en criant « Je vais te planter, tire, tire, tire ». Avant de s'effondrer, il a continué à s'approcher du fonctionnaire de police, parvenant à le frapper avec son couteau à hauteur de son gilet pare-balles. À 20h48, l'agence AMAC, organe médiatique de l'État islamique, a revendiqué l'attentat, revendication qui a été authentifiée. François Molins, procureur de Paris. Alors Pierre de Cossette, vous avez assisté à cette conférence de presse. Le procureur a donné beaucoup de détails, notamment sur l'ami du terroriste qui a été déféré cet après-midi. Oui, il s'agit de cet homme que l'on a pu voir encadré par les policiers après son interpellation. Visage encagoulé, sweatshirt avec dans le dos l'inscription Defend Grozny, la capitale de la Tchétchénie, et le dessin d'une Kalachnikov également. Ce suspect de 20 ans, comme le terroriste, est né en Tchétchénie. Comme lui, il est arrivé en France à Strasbourg. C'est là que les deux hommes ont été naturalisés en 2010 et c'est là qu'ils se sont liés d'amitié. 2 garçons qui se sont radicalisés, ça n'avait pas échappé au service de renseignement. Le suspect qui devrait être mis en examen ce soir s'était marié religieusement avec une candidate au départ en Syrie et les enquêteurs se demandent finalement
finalement, si ce n'est pas lui qui a influencé le terroriste au couteau. Ses déclarations en garde à vue, en tout cas, n'ont pas convaincu les policiers, notamment lorsqu'il affirme avoir perdu son téléphone le matin des faits. Les enquêteurs retiennent surtout ce message sur Twitter, 3 heures après l'attaque, « Je t'aime, Aki », comme une déclaration à son ami terroriste. Voici les principaux éléments apportés cet après-midi par le procureur de la République de Paris à propos de cet homme. François Molins qui a ajouté également que 2 femmes ont été interpellées, vous le disiez, en région parisienne toutes deux. Et je peux vous dire ce soir que parmi elles figure celle qui a épousé le suspect qui devait être mis en examen. C'était un mariage qui avait été célébré l'an dernier. Merci Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. L'homme qui a aidé un détenu fiché S à s'évader hier à Brest est mis en examen et écroué ce soir. Il s'était rendu de lui-même à la police quelques heures après l'évasion. Le détenu, lui, est toujours en cavale. Nouvelle opération d'expulsion à Notre-Dame-des-Landes. Les forces de l'ordre sont intervenues ce matin dans la ZAD pour évacuer une dizaine de squats. Une opération tout aussi rapide que symbolique, Pierre-Baptiste Vanzini. Et oui Sophie, c'est un symbole qui est tombé aujourd'hui. Le village de la Châtaigne reconstruit par 40 000 personnes après l'échec de l'opération César. La première tentative d'évacuation de la ZAD en 2012 a été détruite à coups de pelleteuse tout à l'heure. 10 lieux de vie ont été évacués et détruits aujourd'hui. 7 personnes expulsées et très peu de heurts, loin en tout cas des violences d'il y a un mois. Cette nouvelle opération désole ce soir Camille, l'une des porte-paroles de la ZAD. En fait, ce territoire, on l'a défendu tous ensemble. Et c'est grâce à cette cohérence collective qu'il existe aujourd'hui, qu'il n'est pas bétonné et qu'il n'est pas donc entièrement détruit. Et nous, ce qu'on défend pour la suite, sur une logique de long terme, c'est en fait un territoire aussi divers et cohérent. Et donc en fait, en attaquant aujourd'hui ces lieux, bah, évidemment, c'est l'ensemble du projet collectif qu'on attaque et l'ensemble de la vie rurale qui se développe sur ces lieux. Donc bah, évidemment, on veut dire qu'on est à la fois indigné et je ne sais pas comment dire, et en colère profondément qu'ils osent ainsi revenir détruire des lieux, donc des bâtiments, des vies, mais aussi le bocage, les pratiques agricoles et toutes les autres pratiques qui sont en train de se mener sur cet endroit. Les expulsions vont se poursuivre demain. Les 1800 gendarmes mobiles vont intervenir dans 2 lieux distincts. Au total, une 20aine de lieux de vie sont visés par cette opération. Pierre-Baptiste Vanzini, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. 10e épisode de grève demain à la SNCF. Le trafic sera perturbé, mais les conditions sont parmi les meilleures depuis le début du mouvement. Le mois dernier, précise la direction, il y aura plus d'un TGV et un RER sur 2, 2 TER et Intercité sur 5. La SNCF, la ZAD ou encore la limitation de la vitesse sur les routes secondaires, sans doute autant de sujets abordés ce soir lors des rencontres du gouvernement. Une 30aine de ministres sur le terrain à la rencontre des Français partout dans le pays pour défendre la première année de réforme de l'exécutif. Et juste après ce journal, mon invité est Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique, professeur à la Sorbonne et auteur de Le coup de com' permanent aux éditions du CERF. L'Europe met en place sa première réplique aux tentatives de Donald Trump d'isoler économiquement l'Iran. Après le retrait des États-Unis de l'accord du nucléaire iranien, les entreprises qui commercent avec Téhéran se verront imposer des sanctions, à l'instar de Total qui évoque la possibilité de quitter l'Iran. Dès demain, Isabelle Horry, l'Europe lancera le processus de blocage de ces sanctions américaines. Une offensive qui va passer par ce qu'on appelle une loi de blocage. C'est comme un parapluie juridique qui s'ouvrira au-dessus de la tête des entreprises menacées par les États-Unis. Ça les autorisera à ne pas payer les amendes que Washington voudrait leur imposer. Cette loi existe depuis 22 ans, mais il faut l'actualiser. La Commission européenne lance donc le processus en urgence. Alors, soyons honnêtes, c'est avant tout un coup politique. L'objectif, c'est que l'unité et la détermination européenne à se défendre dissuadent les Américains d'interdire leur marché aux entreprises du vieux continent. Les 27 croisent les doigts car ils savent que sinon les multinationales quitteront l'Iran, comme l'a reconnu Emmanuel Macron. Nous n'allons pas contraindre des entreprises à rester. Et ça, c'est la réalité de la vie des affaires. Président de la République française, il n'est pas le président directeur général de Total. Le président directeur général de Total va regarder, au vu de ce que le marché iranien lui apporte, la nature des risques qu'il prend par rapport à son marché américain, son marché saoudien et avec les autres puissances. Ce serait une faute de l'obliger à faire autrement et ce serait d'ailleurs intenable. En parallèle, les Européens vont aussi mettre en place des financements et des garanties pour protéger les entreprises plus petites, celles qui ont investi juste sur le marché iranien. L'objectif est de mettre tout cela en place rapidement dans les prochaines semaines.
Isabelle Horry à Sofia, en Bulgarie, pour Europe 1. L'air que nous respirons est beaucoup trop pollué pour faire respecter les normes de qualité de l'air. Bruxelles passe à la vitesse supérieure après plusieurs mises en garde. Elle renvoie la France et 5 autres États membres, dont l'Allemagne, devant la justice européenne. Paris promet de faire plus pour la qualité de l'air. Direction Cannes, à présent, avec une montée des marches inédite. Ce soir, des réfugiés venus du Soudan, du Mali, étaient sur le tapis rouge à l'occasion de la projection du documentaire Libre, qui retrace le combat de Cédric Héroux, le défenseur des migrants. Et c'est en faisant le V de la victoire qu'ils se sont dirigés vers le Palais des Festivals. On a fait ça, qu'on a monté les marches du Palais de Justice. Donc là, c'est un film qui va être amené à juger, à être critiqué. Et donc on monte un peu comme quand on est monté sur les marches du Palais de Justice, quoi, pour porter un peu le témoignage qui se passe dans la Vallée de la Roya, ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe. Et sur ce défi qui est la migration, que le gouvernement ne veut pas relever, mais que nous, citoyens, voulons relever et pour honorer un peu notre pays, honorer l'Europe. Allez, Aboubacar. Ah, c'était un plaisir d'être là et on est très content de monter des marches. Je vois dans les télés et tout, mais c'était moi quoi, aujourd'hui dans les tapis. C'était une belle journée, je n'oublierai pas. Ouais. Cédric Héroux et Aboubacar, réfugiés en France, au micro de Théo Manval. Le temps. Valérie Darmon, une belle journée ce vendredi. Absolument, le soleil gagne du terrain sur les Pyrénées, midi toulousain, massif central jusqu'à la façade est. Il faut être un peu patient. La matinée est encore un petit peu nuageuse et brumeuse, mais l'après-midi, les éclaircies seront de plus en plus larges. En fin de journée, un orage reste possible sur les reliefs. Partout ailleurs, grand beau temps du matin au soir. Température globalement de saison avec le matin 6 à 9 degrés au nord, 10 à 14 au sud. L'après-midi, 17 à 21 au nord, 20 à 24 au sud. C'est à partir de samedi que les températures remonteront tranquillement pour atteindre 23 en moyenne au nord dès lundi et 25 dans le sud. Samedi et dimanche, très beau temps du midi toulousain à l'Alsace. Quelques averses et passages nuageux dans le sud-est et quelques orages. Lundi, toujours du très beau temps entre la Gironde et les côtes de la Manche. Ailleurs, passages nuageux et ondés. Et plus on descendra vers le sud-est et plus ce sera orageux et couvert. Merci Valérie Darmon.